Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Dreamy Clover Town, qui est un petit jeu mobile qui vient de sortir sur iOS, sur Android. Please enter a nickname. Alors, est-ce qu'il va vouloir prendre mon pseudo ou pas? Donc c'est un petit jeu qui vient de sortir, qui est plutôt sympa, qui pour une fois, c'est pas un jeu de baston et tout, en mode waouh, regarde j'ai des orques ou des trucs, j'ai des grosses armes à feu et tout. Là c'est un... vraiment c'est chill, c'est giga chill, vous allez voir. Hello. Ok. Bonne ambiance. Déjà on va skip la cinématique. Je sais pas si elle est longue ou pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de tutos au début. Been dreaming on this world I have done with you. Vas-y, let's go. Donc le bail du jeu, on va dire en quelque sorte, c'est de faire sa ville dans un univers un peu mignonné et tout, assez sympa. On a chopé Lena. Enfin on a chopé Lena. Le jeu nous a donné. Enfin non, mais... Ok, on est avec Lena, j'ai toujours rêvé d'être avec toi, écoute, je vais avoir des ennuis. Il y a le menu, on peut skip ou pas? Oh, on peut skip, parfait. Oh, il y a mode auto, fast forward, log, non display. Putain, mais trop bien. Ah, mais je peux pas le skip, lui. Skip. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, en fait. Check Athanas. Ok, donc ça, c'est le truc de connexion, comme d'hab. Il y a un event de lancement, visiblement. On va récupérer 10 000 de thunes. Today's to do. Ah, to do, c'est les trucs à faire, genre c'est les quêtes quotidiennes en gros. On a récupéré la thune encore. Putain, mais on est giga riche en vrai. Blabla, blabla, tu parles beaucoup toi. Il y a plein d'histoires à propos des villageois de Clovertown. Ça m'intéresse de ouf. Vraiment, mais juste pas maintenant. Ok, je peux faire de la salade. Je peux faire du blé. Il faut que j'appuie là-dessus pour planter les trucs. Place villager. Ok, vas-y, je prends de la salade. Ah, je vais utiliser des gemmes. Je suis pas pay to win, hein. Non, 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 je suis pas pay to win. Je pay to win pas, moi. Après, le jeu m'a filé un gemme, moi. Mais on va le garder. Je peux mettre du blé ou pas? Labor is truly virtual. Ok, d'accord. Donc, le travail, c'est vraiment une... Oh, je commence à me sentir fatigué. Ça fait 2 minutes, même pas, tu bosses? Ok, vas-y, il reste 5 secondes. J'en ai rien à faire, je garde le gemme que le jeu m'a donné. Je le garde. Je suis free to play. C'est hors de question de dépenser des gemmes. Je commence à être fatigué. Vas-y, elle me saoule déjà, on va aller ailleurs. Fait que de se plaindre. Ok, on a level up. Par contre, y a pas de français? Vas-y, non, 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 skip. Y a un menu ou pas? Ah, y a un menu là. Profile setting. Non, pas là. Attends, parce que je m'en sors pas avec les boutons. Register villager, problem solver. Ah, tu peux régler les problèmes des gens et tout? Ah oui, non, mais c'est trop par contre. Mais y a pas de bouton réglage. Je vais péter un câble. Y a pas de bouton réglage. Ah si, là à gauche. Settings. Non, mais je suis idiot. Scénario effect. Language. Bon, on a coréen ou chinois ou anglais. Et je ne parle aucun des deux. Donc voilà. Ok, donc ça c'est notre village. Je peux dézoomer. Ok, donc là je suis dézoomé au max. Il va falloir que je débloque le reste. Ok, ça va me coûter du bois. Ah non, ça me coûte des thunas. Ok, ça je peux l'enlever ou pas? Si je peux enlever le gros truc là, ça là. Oh, attendez, storage. Ok, j'ai de la laitue, j'ai un chrono pour avancer la production, j'imagine. Évidemment. Putain, mais y a, même dans un jeu de chill et tout, ils te font du pay to win en mode hey, si tu veux speed et tout. Moi je veux le chill en fait, frère. Architecture office. Ok, y a de la déco. Y a beaucoup de déco ou pas? Pas mal de trucs en vrai. Ah mais il y a encore plus de trucs là. Ça s'arrête jamais. Exchange Center, y a rien, ok. Par contre, ok, t'as fait du blé, génial. Est-ce que je peux l'envoyer? Ah mais à chaque fois faut que je sélectionne... Genre ça peut pas se faire en boucle? Ah ouais, Vestron. Je pensais qu'il y aurait un mode auto, genre je l'envoie et elle le fait jusqu'à plus pouvoir tenir debout quoi. Ouais, c'est de l'esclavage. C'est clairement de l'esclavage. Watch the main story, chapter 1 et get reward. Ok, faut que je mate un truc là. Oh non. Bon alors, il y a des gens que ça fait kiffer, hein, mais franchement, voir les histoires et tout que des mecs ont inventé dans un jeu et tout. Enfin... Je souffle, je skip. Hein. Si vous kiffez, allez-y, c'est trop mignon et tout. C'est vraiment trop sympa, j'adore. On a récupéré des gemmes. Trop bien.
Vive les histoires qui donnent des gemmes, j'adore, encore plus d'histoires s'il vous plaît. Attends, j'avais une notif là-dedans. Free Reset. Ok, donc il y a des pubs dans le jeu. Il y a des pubs et des pubs. In progress, use 1000 gold. Ah, c'est journalier, faut que j'utilise 1000 gold tous les jours? Ok, je sais pas si vous voyez, mais il y avait un petit trèfle à 4 feux qui virevole au plein milieu de l'écran. Qui m'indique du coup que j'ai un temps de chargement. Attends, fait que je débloque des trucs. Attends, mais on va tout débloquer, non, en fait? La musique, elle va me rendre fou, par contre. Tu sais, c'est genre de musique un peu mignonne et tout, et en fait, au bout d'un moment, t'as juste envie de jeter ton téléphone par terre. Ok, mais attends, mais je vais tout débloquer, ça coûte rien. Ah, il y a un moment où ça va coûter très cher, non? Toujours pas. Toujours pas. Oh, je peux aller à la plage? Mais attends, mais je refais un petit passage, on va aller à la plage, du coup, comme ça. Est-ce que je peux construire des routes? Est-ce que je peux construire des routes ou pas du tout? Ah, il y a des thèmes, d'accord. Est-ce qu'il y a des bâtiments spéciaux en mode tu l'as et tes villageois ils sont giga heureux? Ah ouais, il y a des routes. Ah, c'est 812 gold la route. Allez. Claim, ok, vas-y, on avance dans l'histoire. Confirme. Non, on va skip. Ouais, vous avez l'air super gentil, hein, mais vraiment, je... Ça ne m'intéresse pas. Gloomy Forest. Ok, faut quand même être level 20, quoi. Ok, il y a un truc là, visiblement. Je dois débloquer au level 8. Je suis quoi avec la gare? Train Station at level 7. Ah ouais, mais vous pouvez pas me faire un aperçu de ce que je peux débloquer? Attends, notice board. J'avance dans quoi là? Est-ce que j'avance dans les quêtes quotidiennes ou est-ce que j'avance dans l'histoire? Ok, j'ai récupéré de la tunasse visiblement. Un truc avec des cœurs. Food random boss. Carantonio, Oten, ouais, special food. So... Ok, vas-y. Ok, par contre, l'écran de. Le temps de chargement à chaque fois que tu vas changer de fenêtre, c'est vite relou. Ok, attends, mais je suis level 4, je peux débloquer un slot de plus. Comment je fais pour débloquer le slot là? Il y a écrit level 4. Pourquoi je l'ai pas? Bizarre cette histoire. Par contre, est-ce que les personnages ont des levels ou des trucs comme ça? Ça, c'est ma maison. Je peux faire quoi avec ma maison? Ah, trop marrant! Génial. Send gift. Ah oui, mais j'ai pas d'amis. Collection. Ah oui, donc t'as vraiment une collection de personnages. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans la ville. Profile sitting. Change main villager. Ouais, non, Osef. Villager info, level 2. Ah, donc c'est son level à elle, je pense. Type farmer. Level fans come in handy. Ok. En vrai, je pense que c'est le genre de jeu pour les gens justement qui veulent des jeux mobiles un peu chill et tout, un peu mignonnet. Je pense que c'est pas mal. Sell one wit. Comment je fais? You can sell items. Ok. Ah, oh, il va me filer Tom. Le jeu va me donner Tom. Ok, j'ai gagné un Hatfield et un Barn. Barn, c'est quoi? C'est la grange. J'ai un plus grand stockage. Et on a eu un terrain en plus, c'est ça? Storage, product. Ok, donc le storage, en fait, c'est que pour les ressources, on va dire. From production facility, you can build the structures that can create product. Vas-y, ça roule. Ouais, tout m'intéresse. Tout m'intéresse, frérot. Je sais juste pas où on va la mettre. Ah non, la barn, c'est une grange vraiment pour les animals, quoi. Ok, on va la mettre à côté de là, comme ça ils sont protégés du vent. Ouah, trop cher, on va passer. Yes. Ah, ils ont appelé ça des jewels, qui est du coup genre bijoux ou diamants. Mais en fait, c'est un trèfle à quatre feuilles qui est utilisé pour... Purchase. Ah. Par contre, faut que j'utilise du coup des ressources pour faire du lait, j'imagine. Oui, je peux faire du lait comme ça. Je vais péter un câble avec la musique. Je pense que les gens qui donnent des serial killers, c'est à cause de ce genre de musique dans les jeux vidéo. Pas à cause des jeux vidéo directement, calmez-vous. Mais à cause des musiques en fait. Hop, on va faire ça. Et je pouvais mettre un autre champ. Putain, mais le temps de chargement à chaque fois que tu changes d'écran, c'est lourd par contre.
Est-ce que si je le mets à côté, ça fait quelque chose en plus ou pas? On va passer, d'accord, mais calmez-vous. Place Villager. Ah, je peux pas... Non mais attends, tu vas me dire que elle peut pas se déplacer et aller à côté faire le champ là? Il est à côté d'elle? Oh, c'est trop. Vas-y, claim. Claim. Oh là là, on va skip. Purchase scene of time 10 fois 10 minutes. J'ai pas lu. Ah, c'est ça la scene of time, c'est un sablier qui fait avancer le temps de 10 minutes. Vas-y, on va l'acheter de toute façon, j'ai pas le choix. Je me force à l'acheter. Claim. Produce one milk. Ah, j'ai cliqué sur pass comme un singe. You can do new thing. Ok, donc j'ai débloqué les décorations et les requests. Request c'est quoi? Get a new request. Non parce que moi j'aimerais bien en fait. Mais j'ai plus de trucs avec la musique. Mais je peux pas, il faut pas me faire de request frère. J'ai loupé un truc? Attends, il y a un N ici, là, au-dessus de ça. Ah oui, mais c'est les quêtes quotidiennes. Non, dégage. Oh, la lourdeur du chargement, là. Ok, il est en train de me faire un lait, lui. Attends, elle a fini. Wow, le temps de chargement... après, le jeu vient de sortir, hein. Peut-être que c'est lié au... fait que le jeu vient de sortir, mais... T'appuies sur un bouton, tu dois attendre 5 secondes que ça s'arrête. Mais non, mais j'ai pas de quête en fait là. J'ai pas de quête, story. Je vais peut-être me taper les stories, non? Non, skip, j'aurais jamais dû cliquer là-dessus. Claim. Attends, mais il y a des stories à lire avec tous les personnages et tu gagnes des... Ah, faut les débloquer, les level up. Ok, d'accord. Ça me paraissait trop simple. Bon, bah écoutez, je suis bloqué là-dessus. Je pense qu'on va s'abandonner, hein, parce que... Pas parce que je suis bloqué, hein, mais... Je suis bloqué, je sais pas comment on peut faire. Bref, j'espère que le vidéo vous aura plu. J'espère que le jeu vous plaît. On se quitte là-dessus. En vrai, le jeu est sympa. Ça peut être chill et tout, c'est pas du tout mon genre de jeu. Mais s'il y a des gens qui veulent le chill, qui aiment bien ça... Ils peuvent totalement. Et je pense qu'il y a un vrai délire. Je pense que tu peux faire un vrai village de ouf et tout. Parce que ça a l'air d'être quand même assez grand. Je pense après que tu peux encore l'améliorer. Et là, le train, de toute façon, faut être level 7. Et je suis bloqué sur une quête. J'espère que le vidéo vous aura plu. J'espère que le jeu vous plaît. On va s'abonner là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut. Bye bye.